Thank you. Okay. There's a film I made that was shown in the retrospective, a short film called Dottie Gets Spanked, about a little boy who draws endless pictures of his favorite female TV star, Dottie Frank. And on the walls of his room are many other ladies from fairy tales and movies and television who he loves to draw as well over and over. That little boy is me. Shall I translate that? Yes. You tell me when you want me to. Okay, you tell me. Okay. Let's do that. Okay. This is a good place to start. You have to tell me. Donc dans un court-métrage que j'ai réalisé et qui a été montré ici à la rétrospective, Dottie Gets Spanked, on voit un petit garçon qui n'a de cesse de dessiner à l'infini le portrait de Dottie, qui est son personnage préféré d'une émission de télévision. Et non seulement il dessine Dottie, mais les murs de sa chambre sont recouverts aussi d'autres portraits de femmes qu'il dessinait à l'infini. Ce petit garçon n'est nul autre que moi-même. And all the ladies he draws are like the ladies in my films. They are his subjects, but their stories are his objects, because they are often beautiful, but they are trapped in castles or in sleep, or even trapped in their own happy endings. Throughout this retrospective, I've been so lucky to have shared these stages with so many of these ladies. Julianne Moore and Kate Blanchett and Kate Winslet and Charlotte Gainsbourg. And at the beginning of the series and tonight, premiering the film we just made together, Natalie Portman. And all these stories, so often about women, would not have happened without so many other women who are also my partners behind the camera, like Sandy Powell and Laura Rosenthal and Pam Koffler, and of course, from the very beginning, Christine Vachon. And these women were also here with me in Paris. And I've had the most exquisite time during this past year working with so many other incredible women to make this retrospective and this catalog possible. Cathy and Amelie and Ava and Massome and above all, Judith Revol Dallon. So I want to thank all of these women and my lifelong friends, Liz and Camden and Cynthia and Kelly, and the women of my earliest life, my grandmother Mona, my teacher Virginia, my sister Wendy, and the first and most important woman in my life, my Mary Poppins, who I have no doubt is here tonight, hovering overhead, holding an umbrella over me, my mom. Sherry Lynn Semler Haynes. Tonight is for all these women, but for that woman most of all. Thank you. Donc, you have to stay with me. Ces femmes ont été les sujets de ces films, de ce petit garçon, mes films, mais leurs histoires ont été plutôt les objets de ces films parce que. You have to be with me here, I can't translate.
parce qu'elles étaient elles-mêmes magnifiques, mais piégées dans des châteaux, piégées dans leur sommeil, parfois même piégées dans leur happy end. Donc j'ai fait ces films pour célébrer leur beauté, et j'ai eu la chance ici sur cette scène de partager ces films-là, leurs projections, ces moments autour de ces films avec ces actrices merveilleuses, Natalie Portman qui est avec moi ce soir, Kate Blanchett, Kate Winslet, Charlotte Gainsbourg. Elles sont toutes venues, mais c'est aussi derrière la caméra que j'ai été entourée de femmes extraordinaires pour faire mes films, que ce soit Sandy Powell qui est présente ici ce soir, mais aussi Christine et Pamela, Christine qui dès le début a produit mes films, mais aussi de nombreuses autres collaboratrices qui m'ont accompagnée, qui m'ont permis de faire ces films, et c'est ici aussi grâce à une équipe formidable de femmes, en tête desquelles Judith Revaud-Dallone, que cette rétrospective et le livre qui l'accompagne ont été possibles. Et je dois aussi remonter plus loin dans ma vie aux toutes premières femmes qui m'ont accompagnée, mes chères amies, ma grand-mère Mona, mais surtout ma sœur Wendy, mais surtout ma Mary Poppins à moi, dont je ne doute pas que ce soir elle veille sur nous, qu'elle ouvre un parapluie au-dessus de moi, ma mère. Et donc cette soirée, je la dédie à toutes ces femmes et avant tout à ma mère. Nathalie, Corey, est-ce que vous voulez dire un mot avant les films? Well, it's such an honor to get to be part of this retrospective and to be part of a film that is part of this history that you've created of women, as you said, that have moved me so much and I've gotten to see myself in them, I've understood myself through them, and your body of work is so extraordinary, and it's such a joy and a luck to get to be part of it in any small way. And it's extremely rare in life to meet an artist you admire so much and then find that their heart is as beautiful as their art. And I'm so, so grateful to get to know you as a human, even without your art, but with your art, it's just the greatest gift of life. So thank you. C'est un immense honneur de pouvoir participer, contribuer même très, de façon très minime et humble à cette histoire de la féminité, en effet, que tu as créé, et de pouvoir voir participer à cette galerie de femmes à travers lesquelles je me suis reconnue, à travers lesquelles je me suis trouvée moi-même, et d'être ici pour accompagner ce travail que nous avons fait ensemble, et d'être à la rencontre d'un artiste que l'on admire à ce point, et de voir que son cœur est aussi beau et aussi grand, c'est une immense joie, c'est un immense honneur. Donc rien que de te rencontrer toi comme personne en soi est un cadeau immense, mais la cerise sur le gâteau, c'est ton œuvre immense que je suis très heureuse de présenter avec toi ce soir. I just want to briefly say publicly a thank you to Natalie, who is as gracious as she is intelligent, as she is talented, and who was such an amazing scene partner and so very kind to me. So thank you. And we are all here because we're struck and potentially obsessed with the artistry and vision of Todd. And as Judith said, this is my third film with Todd, and I consider myself one of the luckiest guys in the world, because I'm not sure exactly what I did accidentally to earn your trust and confidence, but it's the greatest mistake I ever made. Todd, I have such incredible respect and admiration for you, and I've said that to you privately, and I've, I think, written a note that says something like that. But it is an honor to stand in front of a group of people and express my immense gratitude for the opportunities that you have extended to me and the time that I've been able to spend with you and with some of the most extraordinary actresses in the world. So thank you.
Donc, je veux d'abord faire honneur publiquement à la grâce, au talent et à l'intelligence de Nathalie et dire le bonheur que j'ai eu de pouvoir être à ses côtés et lui donner la réplique et travailler avec elle sur ce film. Et Todd, en effet, ainsi que l'a dit Judith, ça fait la troisième fois que tu me donnes ce privilège de travailler avec toi. Je ne sais pas ce que j'ai fait accidentellement dans ma vie pour mériter que tu m'accordes ta confiance à ce point, mais quelle que soit l'erreur que j'ai commise, je suis très heureux de l'avoir fait. Et je crois que nous sommes tous là parce que nous sommes frappés, sinon fascinés, obsédés par le talent, par la vision, par l'extraordinaire univers de cet homme. Donc je me sens très privilégiée d'en avoir fait partie plusieurs fois et d'être là ce soir pour ce projet et l'opportunité que tu m'as donnée aussi de travailler avec les plus grandes actrices qui soient.